Bienvenue dans l'épisode numéro 61. Tout de suite. Ah, c'est vrai que j'ai le champ de l'envol maintenant. On va aller à la cité d'Hyrule. Parce que la dernière fois j'ai oublié de faire ça. Racheter des potions tout simplement. Allez, rouge. Je veux que du rouge de toute façon. J'ai même pas regardé le prix. En fait, je crois que je me suis fait arnaquer. Ça doit être moins cher dans les autres. Les autres. Soit les autres villages, soit les autres époques. J'ai jamais fait attention à ça. Mais bon, tant pis. J'ai. N'est-ce pas là? J'ai un vin grand cru et un balai, je sais pas à qui les donner. Pour le vin, j'ai pas encore beaucoup réfléchi. Et j'ai surtout le marteau magique, grâce auquel je peux débloquer logiquement plein de trucs. Pour commencer, il me semble qu'il y avait des choses dans le cimetière. Enfin, juste à côté du cimetière. Voilà. Boum, boum. Une gemme de force. Ça y est, j'ai toutes les gemmes de force de ce secteur. Et surtout, je peux aller dans le passé, par exemple. Où il y a une autre gemme de force. Mais je ne les ai pas toutes. Et... Oups. Dans le futur... Oh non, pas eux. Tiens, est-ce qu'on peut leur donner des coups de marteau? Ah, trop bien, on peut enfin les tuer. Bon, je m'amuse pas à pousser toutes les tombes parce que j'en ai jamais vu une seule qui pouvait se pousser. J'ai l'impression que dans ce jeu, on peut pas les pousser. J'aime de force. J'ai toujours pas toutes. Je les ai toujours pas toutes. Comment ça se fait? Là, peut-être qu'il fallait quand même pousser les tombes alors. Je sais pas. J'ai pas envie de faire ça maintenant. C'est trop long. Juste faire un petit tour. Dans le futur. Non, pas comme ça. Et je vais bien tout nettoyer pour être sûr de ne pas avoir raté de gemmes. Ah, la voilà, c'est bon, je les ai toutes. Donc voilà pour ce coin-là. Ensuite, il y a les montagnes. Je peux pas y aller par là. Par là, je crois pas. Et non. Ah oui, bah, je peux y aller avec le champ de l'envol. J'ai pas encore le réflexe du champ de l'envol. Je ne veux pas aller dans le vaisseau spatial. Dans les montagnes, il y avait au moins un endroit où j'avais besoin du marteau. Tiens, et là, il y a une pierre noire. Non, il n'y a rien. Faut aussi que je vérifie toutes les pierres noires parce que ça fait pas très longtemps que j'ai le bracelet de force numéro 2. Mmh.
Donc là, je peux toujours rien faire. Je vais vérifier très rapidement. C'est pareil dans les autres. Pardon, c'est pareil dans les autres époques. Une gemme de force. Par contre, c'est vrai que je passe un peu vite sur les pierres noires. Faudrait que j'étudie ça plus attentivement. Encore une là. Non, y'a rien. Bien, alors, l'endroit où j'avais besoin du marteau, je crois que c'était dans le présent. Cool, j'ai toutes les gemmes de force ici. Par contre, je veux ce cœur. Merci. Et après, on va voir ce qu'il y a là-haut. Je sais que dans le passé, il y a les reines. Il y a les reines du Père Noël de Secret of Mana. Trop bien. C'est le dernier endroit de pêche. Je parie. Une anguille. C'est dingue le nombre de poissons qu'il peut y avoir dans un tout petit... Dans un tout petit endroit comme ça. Un tout petit lac de montagne. En plus c'est cool, ça me permet, pardon, ça me permet de récupérer mes cœurs. Sur une super musique. Ouf. Alors lui il est gros. Un noble chevalier. Ça y est, il m'en manque plus qu'un seul. Trop bien la musique. Il faudrait peut-être que je mette ma canne à pêche dans l'eau avant de me mettre à chanter. Donc là, il m'en manque plus qu'un seul. C'est pas lui. C'est pas l'anguille non plus. C'est toujours pas le veron. C'est toujours pas le veron. Dernier poisson du jeu, là, quand même. Vous vous rendez compte? C'est peut-être la dernière fois que je pêche. Oups. Ça y est, un éperlan. Magnifique. Alors, on va d'abord aller voir dans le futur. Ouf. Alors là, on tombe carrément sur je sais pas quoi. La tour de Ganon, peut-être. La tour de glace. Oh! Le chemin s'ouvrira lorsque toutes les gemmes de force auront été trouvées. Alors, est-ce qu'il parle des 4 gemmes spéciales que j'ai échangées? Ou vraiment des toutes les gemmes de force? Parce que pour moi, les gemmes de force, c'est une quête annexe. Vraiment pour les ultra, comment dire, maniaques qui veulent absolument tout trouver. Pour leur donner de quoi s'amuser, quoi. Mais pour moi, c'est totalement facultatif. Donc peut-être que la tour de glace est un donjon secret facultatif. Bon, pas si secret que ça, mais peut-être facultatif en tout cas. Ah, je savais bien qu'il y aurait le Père Noël. Nous avons échoué ici après avoir percuté une mouette. Tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais eu un klaxon. D'accord. Ah, j'ai oublié. Oh oh oh, je suis le Père Noël.
Somnérène qui parle. Oui, effectivement. C'est trop marrant. Donc, parmi mes échanges, un jour, j'obtiendrai un klaxon et il faudra que je repense à venir ici. En attendant ce jour, je vais prendre mon envol et on va aller là. Et on va aller dans le présent. Récupérer notre dernière récompense de la pêche. T'es viré. Sérieux, c'est tout? Je ne trouve pas cette blague drôle du tout. Je préférais les rennes qui parlent. Ok, donc aucune récompense. Ça fait rien puisque là, on a de quoi utiliser notre marteau. C'était la deuxième raison de ma venue. Je fais tout le tour avant de monter, moi, à chaque fois. Une jatte de force, et je les ai toutes ici. Le marteau et le deuxième bracelet de force m'ont permis d'obtenir beaucoup de gemmes de force, et c'est probablement pas fini. Ah, c'est ça la fameuse prison! D'accord. Bon, là, est-ce que tu voudrais pas que je te donne un balai pour que t'ailles balayer ta cave? Comme ça, je pourrais non seulement passer ici, mais aussi peut-être visiter ta cave un jour. Non, pas possible. En dehors des heures de visite, je ne suis pas autorisé à te laisser passer. Dommage. Et l'autre, elle veut toujours pas de mon balai. Où est-ce qu'elle est? Bah ouais, je sais, je viens de le croiser, j'ai enfin trouvé cette fameuse prison. Non, ça marche pas. Et si je lui donnais du vin? Au mec. Pendant ses heures de boulot. Non, il veut pas. Donc, ici, une fois de plus, le mystère reste entier, comme je dis toujours. Champ du temps accéléré, on va voir ce qu'il y a maintenant dans le futur. Ah, c'est passionnant le futur. Passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme lieu bloqué tant qu'on n'avait pas le marteau? Mais c'est bizarre cette prison, on doit bien avoir quelque chose à faire quand même. Ça m'intrigue. J'ai envie d'y retourner. C'est pas un passage secret là, quelque chose. Bon. Puis c'est comme ça, je m'envole. Je m'envole et je vais aller voir là-haut. Pourquoi là-haut? Bah en fait, je sais pas trop. En plus, j'ai toujours du mal à aller où je veux quand je suis dans ce secteur-là. Je crois que le mieux, c'est de passer par le futur.
sauf des fois. Ah, et puis il y a toujours ce fichu fragment de cœur. J'ai trouvé! Eureka! J'ai deux idées possibles pour le fragment de cœur. Puisqu'on pouvait aller sur le toit de ces deux donjons. Donc à partir de ce moment-là, il suffit de jouer le chant depuis le toit. Sans effet. Donc pas Eureka. Mange. Allez, hop. On va essayer dans le passé. Ça pourra pas marcher ça par contre. Je vais quand même essayer, mais je sais parce que je trouve que c'était une idée sympa. Mais j'y crois pas. Je me souviens plus du tout comment on va au boss dans ce donjon. Ah oui, c'était long en plus. En fait, il fallait que j'aille à droite au début. Ça aurait été plus rapide. En plus, je suis presque sûr de faire tout ça pour rien. Mais bon. D'ailleurs, est-ce que j'ai toutes les gemmes? Ouais, j'ai toutes les gemmes. Ah bah oui, c'est vrai, il est pas indiqué le boss, puisqu'il est mort. Je crois qu'il était là. En effet, il était là. On est dans le passé. J'ai envie de t'accélérer. Oh, ça marche pas, c'était pas ça. Dommage. Bon. Fin de la parenthèse du fragment de cœur qui m'embête beaucoup. J'avais essayé de mettre une bombe quand même. Le marteau, j'ai pas essayé, tiens. Je peux pas tout faire tomber là, coup de marteau. Tout ce qui reste de cette ruine. J'ai essayé la bombe, le marteau. Bon. Donc, je disais, fin de la parenthèse. Ici, j'ai déjà oublié ce que c'est. Il n'y a plus personne. Je me souviens plus ce qu'il y avait là. En tout cas, ce que je voulais faire, c'était venir dans ces coins-là. Pour aller voir. Oups. Non pas Tingle. Mais... Le Zora qui est là. Depuis le début, il cherche quelque chose et je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est une bouteille de vin par hasard? Ça a pas l'air d'être ça. Un balai. Ouais, j'ai déjà essayé. Bon. Vu que je suis assez riche. Par contre, faut que je passe la bombe d'abord. Je vais aller voir la fée pour obtenir des augmentations de flèches et de bombes. Alors, il faut que j'aille à la bombe, donc c'est par là.
Oui, ça peut être par là, effectivement. Maintenant, on peut passer un peu plus facilement. Tiens, faudrait que j'aille là-haut. Une pierre noire. Et puis là, il y a toujours ce mystère-là. Impossible d'accéder à cet endroit. En tout cas, la banque du futur. Let's go. Allez, vas-y. Merci bien. Ouais, c'est ça, j'arrive pas à y aller là. Peut-être qu'il faut passer par un passage secret dans le sous-sol de la banque. Je sais pas. Mais le sous-sol de la banque n'avait pas l'air très visitable. Ça, j'ai déjà fait. Ah, j'ai déjà toutes les gemmes ici. Ok, bon. Je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Donc, je vous retrouve bientôt pour la suite de mes aventures. Salut !